Dans un coin de l'église Notre-Dame de l'Assomption, à Vitry-le-François, une exposition a pris place. Sur ces panneaux, les vitrillas peuvent découvrir ou redécouvrir l'histoire du monument incontournable de la Cité Rose, la collégiale Notre-Dame. Cette exposition, elle retrace les principaux événements de la construction de la collégiale et de ses 14 chapelles. On peut y retrouver également l'histoire du transept, des orgues, des tableaux qui sont à l'intérieur de chaque chapelle. Enfin, on a sur ces panneaux des informations que vous ne retrouvez pas ou pratiquement pas dans chaque chapelle. Outre ces expositions, Gérald propose aussi des visites commentées chaque dimanche pour en apprendre davantage sur cet édifice. On fait le tour, ça dure à peu près 2 heures, et on s'arrête devant chaque élément de la collégiale, que ce soit les chapelles, que ce soit les tableaux, le chemin de croix, les statues qui se trouvent sur les côtés, les cloches, enfin, on fait le tour. C'est vraiment le tour complet de la collégiale. L'exposition est ouverte tous les jours de 8h à 19h et restera au sein de l'église jusqu'au 24 septembre.